La République commence à bouleverser l'enquête qui a mené sous dossier assassinat du président de la République, là, Jovenel Moïse. Eh bien, il y a un pile avancé qui fait, il y a un pile nègre, la police déjà mis à avis de recherche derrière, et il y a un pile nègre tout, eh bien, j'ai eu qu'on a dit ça, derrière, eh bien, on réchaudifie là, tellement yo chaud. Eh bien, la police arrive mettre avis de recherche, interdiction de départ, et bien mettre avis de recherche des anciens sénateurs John Joel Joseph, Rudolf Dja, ça ou les Dodolf, même qui sont hommes d'affaires, yo mettre avis de recherche tout derrière Joseph Félix Badjo. Mais tous les trois, monsieur Sayo, la police fait connaître, et bien, une accusation, assassinat, tentative d'assassinat. Bien, tout ça aussi dans l'enquête. Bien, l'an mort président république là, Jovenel Moïse. Eh bien, il y a interdiction de départ tout qui mettait contre Covington Reynaldo, les mêmes qui gagne compagnie sécurité dans le pays d'Haïti. Et ça qui est dur dans le dossier ça, John Joel Joseph, les mêmes, il était dans la réunion ensemble avec pasteur Christian Emmanuel Sanon et puis James Solage tout dans Miami, Floride. Mes amis, ça veut dire là, de près ou de loin, John Joel Joseph, t'as gagné d'où être trempé dans le dossier assassinat président de la République, Jovenel Moïse. Gagné l'autre nègre encore, tant que le magistrat Jacmel, Mac Kessa, et bien lui-même tout, il était participé dans la réunion. Ça. Mais là, vous avez pour autant de monsieur, nous ne savons pas qui joue, mais vous ne mettez pas avis de recherche d'elle, n'a pas suivi toujours. Qui s'est passé dans le dossier assassinat président de la République là? Est-ce que vraiment vrai, nous avons besoin d'auteur intellectuel? Est-ce que l'auteur physique a déjà commencé, il a marié quelques graines et il était toujours pour marier? Et puis, la Colombie, lui-même, beaucoup de parle, a mené une grande enquête tout sous responsable USGPN, Dimitri Rare, lui-même, qui a fait quelques voyages dans l'Amérique latine, l'État Colombie. L'Italie, l'Équateur, il a besoin qu'on ait qui ça, monsieur Tal réglé en Colombie et puis en Équateur. Mais marché pressé, rassemblé, nous pral pas les causer. Pas oublier, abonnez à la chaîne là, activez la cloche de notification, comme ça, vous ne pouvez pas dire, mais mieux, yo ta, nan série d'informations, n'a bien pour poter pour yo. Eh bien, je nous t'ai annoncé ça. Il y a une grosse avancée qu'a fait dans le dossier assassinat président de la République, là, Jovenel Moïse. Eh bien, là, avancée qu'a fait, il y a un nègre qui n'a marron et la police a mis à avis de recherche d'un nègre ça yo. Et ça a quitté la coupe d'Haïti en gros bouleverse. Parce qu'en pile monde suspecte, en pile monde commence à déballer. Et en pile nèg tout, eh bien, vle démarquer zami yo. Eh bien, gen trois moun la, jusqu'à quatre, trois nan yo, la police mette avis de recherche d'elle. Et yon, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Bedford Claude, lui-même, mette interdiction débat. Eh bien, nou gen Rudolf Dja, yo bayti nan Whiskey ou bien Dodof. Les mêmes qui sont hommes d'affaires, proches Michel Joseph Martelly. Monsieur, en 2013, eh bien, il était accusé pour trafic de drogue. Il a été arrêté en République Dominicaine dans un hôtel de luxe et il a été voué aux États-Unis. Eh bien, là, monsieur gain avis de recherche d'elle. Et vous fait connaître monsieur son qui est dangereux en pile, en pile. Et monsieur, toujours armé. Je mettais à vie de recherche de tout Joseph Félix Badjo, lui-même qui sont ingénieur, qui tape travail dans ULCC, qui c'est Unité de lutte contre corruption. Et ULCC a révoqué monsieur le 17 mai 2021 parce qu'il a violé la règle déontologie institution. Et ça a été tellement grave qu'il a été même déposé en plainte pour lui le 20 mai 2021 devant commissaire gouvernement. Ça veut dire, eh bien,
Monsieur pas on est qui doit lié. Même Jacques Rudolph Dja, les même tout qui sorti dans gros famille dans la coupe pays d'Haïti et bien qui a gain accusation trafic drogue sous dol, ça veut dire monsieur ça au pas droite. Yo met interdiction départ derrière tout Covington Ronaldo, les même qui gain compagnie sécurité qui relait Covington Courier Security Service SA CCSSS.A. Nous connaissons monsieur compagnie sécurité ça yo réputé pour nèg kap fè zam illégal rentrer dans pays ya, puisque nous connaissons l'état haïtien pas vraiment gen contrôle et bien zam kap rentrer pour compagnie sécurité ça yo. Et bien ça qui pi intéressé dans dossier avis de recherche que la police mette derrière comme nèg qui suspect dans dossier assassinat président républicain Jovenel Moïse, c'est avis de recherche que mette derrière sénateur ancien sénateur John Joel Joseph, les mêmes qui c'est ancien sénateur l'Ouest, il était élu sous bannière unité. Et monsieur ça nous connaît que en pile monde fait connaît soit analphabète, et monsieur ça n'a parlé depuis l'ouvert bouche li, et bien c'est blague li bay ou bien ou pas ka parler parce que li pas vraiment qu'on parler. Il était même à calculer pour la dou kilomètre courant. Et bien monsieur ça li réputé comme un opposant pouvoir PHTK, et il te fait connaître tout. Monsieur était très proche ensemble avec un bandit dans Cité Soleil dans l'année 2004 qui est le Dieu de Wilmé que la police t'a tué. Et il était même à suspecter, mener enquête contre sénateur John Joel Joseph, et bien pour question kidnapping. T'a dit monsieur qu'on doit être li trempé dans sa kidnapping dans le pays d'Haïti. Mais ce qui est plus important dans le dossier ça, c'est le fait que nous sommes capables de voir photos qui circulent sur les réseaux sociaux côté Emmanuel Sanon, pasteur, docteur Christian Emmanuel Sanon, qui est en réunion ensemble avec James Solage et puis Blanc dans CTU, compagnie sécurité qui est en Floride. Ils sont accusés, et bien c'est là, et bien billet d'avion est acheté pour Colombien. Eh bien, nous connaissons Christian Emmanuel Sanon ensemble avec tout James Solage, qui met en main la police dans le moment. Et M. Sayo, yo accusé yo comme quoi vous a participé à l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Eh bien, dans la photo, tu as l'autre monde toujours. John Joel Joseph, tu es dans la réunion ensemble avec pasteur Emmanuel Sanon et puis James Solage. Ça veut dire là, de près ou de loin, John Joel Joseph, t'a gen dou et li, trempé dans dossier assassinat du président République la Jovenel Moïse. Et gen l'autre nèg là, que la justice gen pourtant de l'autre semaine là, tant que magistrat Jacques Mel là, marqué ça, les mêmes tout, qui était dans réunion qui était faite là dans CTUA. Christian Emmanuel Sanon était là, James Solage était là, John Joel Joseph était là, et Mac Kessa lui-même, magistrat Jacques Mel était là. David dit là, enquête là avancé à grand pas là, pour qu'on soit capable de fouquer tout nèg qui doit être trempé de près ou de loin dans la mort. Assassinat président de la République là, Jovenel Moïse. Mais pendant qu'on a parlé de enquête, nous pas capable parler de un proche président dans ce moment là, et bien qui a mis un conservatoire sous lit. On a parlé de Dimitri Ra, chef USGPN. Et nous connaît déjà le fait le président a fait qu'on était dévié tentative coup d'état. Mais ça, il n'est pas dévié ou bien tout le pas de cas dévié, nous pas connaît. Et bien la Colombie a mené une enquête là sur monsieur. Parce que entre
19 janvier et 29 mai 2021 là, Dimitri a voyagé deux fois en Amérique du Sud. L'aller en Équateur, d'y aller en Colombie. Et directeur police colombienne, général Jorge Luis Vargas même déclaré, eh bien, Dimitri Ra a effectué voyage en Équateur, Panama, République Dominicaine. Il a utilisé pays Sao comme transit pour l'entrée Colombie. Et dernier voyage qu'il fait, eh bien, c'est le 22 ou 29 mai. C'est dernière fois ça, eh bien, il est sorti Colombie. Il y a un pile monde qui a posé cette question. Pour qui ça, voyage ça a été fait? Pour un voyage a été fait, eh bien, 19 janvier. Et le 6 février, ou vers le 7 février, le président dit, il dévie un coup d'État. Deuxième voyage a fait 29 mai. Et la nuit 6 pour vers 7 juillet 2021, là, président mourit. Et enquête là également, la même société CTU Sécurité qui est basée dans Miami, et bien fait qu'on ait 19 billets d'avion qui étaient achetés avec 4 de crédit, même compagnie ça, et bien pour te faire Colombien ou même aller en République Dominicaine et puis rentrer dans la coupe d'Haïti. Comment ça lui-même il va le finir? Enquête là avancée. N'a vu tout ces détails dans l'enquête ça pour nous porter. Bon gens, information pour vous, sans vous et monter à toute ma, à toute peau, à toute graine. Eh bien, c'est là tout, nous mettons en bout avec série d'informations. Merci à vous-même qui te prêtez nos attention avec fidélité. Ou. Nous cassons rendez-vous très prochainement pour une autre série d'informations vraiment intéressante. Et nous avons invité vous, abonnez à la chaîne là, activez la cloche de notification, comme ça, vous ne pouvez pas perdre même un iota. Dans la série d'informations, nous avons pour vous encore.